Bonjour et bienvenue, on est de retour, Wartels. Donc on va combattre des bonhommes de neige apparemment. Donc ouais, on a vu ça, on s'est reposé, on a récupéré un peu de bravoure. Ah, donc apparemment il y aurait des bonhommes de neige par là, donc on va visiter encore un peu. Et après on fera sûrement un retour à la nouvelle Astel pour changer des huiles. Et c'est à peu près tout pour le moment. Mais ouais, en tout cas, on va voir ces nouveaux monstres. Ah non, il y a une tempête de neige. Ah non, peut-être pas. Non, non, c'est juste une tempête. Ça, c'est quoi ces trucs-là? Est-ce qu'ils peuvent combattre les machins? On peut les faire venir sur la police? Sur les gardes? Aidez-nous! Aidez-nous! D'accord, sympa. Bon, c'est quoi? Vous êtes quoi? Des rampants des neiges. Donc c'est bien des rampants en fait. Par contre, on a une mission qui nous demande capturer 3 pestiférés au village maudit. Ah, mais c'est au village maudit en fait. Le prince a fait tout pour attirer l'attention de l'Inquisition sur le château. Quelque chose s'y prépare. Ok, donc c'est juste des... Ouais. En plus, j'avais dit la dernière fois, je me dis, si faut, c'est juste des contaminés enneigés, c'est tout. Alors, fais voir un peu à quoi ça ressemble. Eh, c'est plus... Ah, sympa. Ouais, c'est plus des yétis, quoi. Niveau 12. Alors, inflige des dégâts, lui applique ralentissement. À la fin de son tour, cette unité inflige des dégâts à la santé de tous les ennemis adjacents égaux à 15% de leur santé maximum. Tant que cette unité évolue dans le brouillard, elle a brutalité, sinon fragilité. Ah. Souffle glacial. Ça, c'est dangereux, par contre. Ok. Il y en a 17. Putain, il y a 3 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non. 12, 13, 14. Ils sont où le reste? Dans le brouillard. Là, peut-être. Eh ben, c'est quoi ces machins, quoi? Par contre, oui, les... les ours vont avoir des problèmes pour tanker ça. Si ça fait 15% à chaque fois... Oh mon dieu, il y en a plein là. Si ça fait 15% de dégâts à chaque fois, ça va être un problème. En tout cas, par contre, ils sont pas immunisés au poison, du coup. Donc on peut tous les empoisonner là par contre. Intéressant. Et on va prendre Duan. Tarus, non. Filac. Elle est où On va faire ça. Merde. Ok, elle est où Laura? Étrange. Ok, c'est parti. On va voir un peu. On va voir un peu comment ça se passe. Bon, les machins, ils ont pas de garde en tout cas, ça c'est bien. 99, pas en 95. C'est pas énorme. Ah, ils bougent bien en plus, c'est cool.
Ok. Ouais, il retape et tout. Ok, d'accord, ça marche. Hein. Ça marche, ça marche. Ok, ils sont dans la brume. Très bien. C'est moi où on n'arrive pas à se déplacer dans la neige. Je l'ai pas autant déplacé que ça. Non, c'est bon, on arrête. Alors... Il devrait pouvoir le one-shot. Enfin, le one, ou le tuer au moins. Tu vas retaper? Non. Non mais attends. J'ai bien boosté les gens là. Mais c'est parce qu'on est dans la neige en fait. Que notre déplacement est nul. Intéressant. Intéressant. Très bien. Bon après ils sont pas très très résistants donc ça va. Mais bon. Ça reste quand même des trucs un peu... Oh putain il faut que je fasse le tour. Merde. Ah fait chier. Ah là ça nous fait chier par contre. On peut faire course à la limite. S'il me faut absolument du déplacement. Ok, on a encore 30 mètres, très bien. Là, c'est pas mal. Ah merde, je le touche pas, lui. J'ai merdé. Non, mais je crois que je peux pas, en fait. Ah si, si, si. Voilà, c'est pas mal. J'aurais dû lancer le couteau avant de faire le double poison. Vu que je peux empoisonner, juste par lancer le couteau, comme ça, par exemple. Ouais, j'aurais dû... C'est pas grave. Bon, ça va. Ils sont pas trop, trop dangereux. Intéressant, en tout cas. Nouvelle créature, vraiment cool. On va le laisser avancer, de toute façon il va mourir. On va s'occuper du reste. Alors, fais voir. Ouh, vulnérabilité, cool. Vraiment sympa hein, ce... cette dague maintenant. Honnêtement, je vais laisser tout le monde avec Marmiton hein, parce que ils ont besoin de vie. Hein. C'est dangereux hein, cet endroit. Hein. C'est très dangereux cet endroit. Alors, ce serait bien qu'on puisse tuer lui. Je sais pas trop comment faire. Enfin, après, c'est pas très grave. Quoique, en fait, je l'ai mis contre lui, donc du coup, il va faire des dégâts tous les deux, je crois. Ah, mais je peux peut-être le tuer comme ça. Non, peut-être pas. Ah, si. Elle a combien de critiques, elle? Elle a à peine 38%, quoi. Ok. Là, on va aller
tuer le reste. Comme ça, eux, ils vont mourir. Il n'y a que lui qui va pas mourir. Petit critique. Alors, si je me désengage, on fait combien de dégâts? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Toi, on pourrait... Toi, tu vas toucher qui, là? Toi, tu peux toucher un peu n'importe qui, en fait. Putain, sans déconner, quoi. Cochon chauvage qui va nous foutre dans la merde. Fort qu'on aille le sauver. C'était con hein, de faire ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'au final c'était un peu con. C'est pas grave. Par contre la brume, ouais, c'est un problème. Oh mon dieu, ils ont combien de... Ah oui d'accord, 125. Ok, ça marche. Bon ça va, il y a une bonne nouvelle, on prend pas les dégâts d'après le tour en fait, il meurt avant. Donc ça c'est bien. Ouais, ils peuvent me tuer mes ours assez... Bah, on va pas dire facilement non plus, hein, mais... On va dire qu'ils peuvent leur faire des dégâts. Très bien. Lui m'embête un peu. Ok. On va se mettre là. Joli. Très joli. Ok, il y a toi qui n'es pas engagé. Ah, on peut les attraper. Ça sert à quelque chose de les attraper. Enfin, on peut voir, on, hein, pour la science. Pour la science. Ouais, ça va. C'est pas le super dégât, mais ça va. Ok. On est bon.
Toi, tu vas pas vraiment faire beaucoup de dégâts. Toi, il faut que je prenne l'habitude. Enfin, je le fais la plupart du temps, mais... Là, je l'ai pas fait. C'est envoyer Mara en premier. On envoie Mara comme ça. Il y a plein de gens et puis elle peut tout... tout flinguer assez facilement avec ses AOE. Elle en a vu hein, des le ratope là, il en a vu du paysage. Hein. Il vient de loin, ça fait longtemps qu'on l'a en plus. Hein. Ouh la vache. Non c'est bon, on va le tuer. On va le tuer. Toi. Je sais plus d'où on l'a attrapé, ça fait longtemps. Alors, ça... Ok. Alors, fais voir un peu à quoi ça ressemble. J'imagine qu'il a pas de... Ouais, il a pas d'habilité. 264 de base. Transport 42. Ah ouais, parce qu'avec toute une constitution aussi élevée. Transport 42. Et on a des objets pour doubler le poids. Bon, par contre, il consomme 3, quoi. Ça, c'est chiant. T'es un mineur. Vous pensez qu'on peut le faire rejoindre? Mais après, j'imagine qu'il peut prendre aucune... Oui, non, mais il prend pas d'armes. Et sûrement pas d'équipement non plus. Mais... C'est bête qu'on voie pas l'attaque, en fait. Parce que ça, c'est pas mal, en fait. Le souffle glacial, c'est pas mal. Je sais pas. Après, je vais être honnête, de le garder comme ça, c'est intéressant pour certaines de nos personnes qui ont tyrannique, là. Je sais plus qui a ça. Tyrannique, volonté plus 2. Ouais. Parce que j'avoue que c'est un bon atout, dans un sens, à avoir, parce que il peut porter 40... il a une énorme portance, en fait. Je veux bien le garder à tout jamais. Je vais voir un peu. Je sais plus ce qui fait augmenter. Je crois que c'est un accessoire. Figurine de poney, je crois que c'est ça. 100% de capacité en plus. Après, je sais pas si ça sert à quelque chose de l'avoir dans... Je sais pas en fait s'il peut devenir ami ou pas. Vous avez pas du bois ou quelque chose? Du grès peut-être? Non. Pas vraiment, non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Écurie de Drumback. You've got to help me, please. Wish I could, my lady, but I'm just a farmer, not a warrior. Best I can do is take you to the village or the castle.
Then it will be too late. Those men took my husband. By the time we reach Hullberg, he will be dead. Don't worry, Princess. Your husband is a nobleman. They'll demand a ransom, for sure. Wow, vous avez l'air tellement apeuré. Wow. They were not ordinary bandits. They slaughtered our escort. If they're still lurking around the Sophie Adra Alizar Laboratory, it's only a matter of time before they prey upon other travelers. Uh-huh. It's hard to focus with a princess sobbing in your ears. She claims that she was attacked by bandits on the road to the laboratory. But if you ask me, I bet her escort was struck by the Eye's Reckoning. She's lying because she's scared the Inquisition will come after her. Okay. Ah, il faut que je change 2-3 trucs dans l'équipement. Ok, très bien. Alors attendez une seconde. T'as toi, Ménette. On te remette donc ça. Et toi, faut qu'on te mette ça. Très bien. Parce qu'il a fini d'être un érudit, en fait. Fais voir un peu. Du coup, ils sont directement niveau 8. J'avoue que ça, c'est intéressant. C'est intéressant de les avoir déjà niveau 8. Nous, ils sont quel niveau, les nôtres? 7, 8, 9, celui-là. Alors, ouais, mais ça, c'est parce qu'on l'avait gagné. Ah non, ça va, il n'y en a qu'un seul qui est pas encore niveau 7. Oui, non, non, ça va. Je pensais qu'ils étaient pas encore niveau 7. Pas encore niveau 8, pardon. Non, non, ça va. Pas besoin d'en prendre. On peut leur reparler ou pas? Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'elle nous raconte. C'est un peu étrange. Enlèvement, on verra ça plus tard. On a des bandits. Putain, c'est grand. Ah, du grès. C'est cool. Pour aller au temple. Encore des bonhommes de neige. On peut aller là ? Grotte sordide. Ça fait un peu peur des grands étendues comme ça là. On dirait que quelque chose va nous foncer dessus en fait. Ah, on peut y aller. Pic. Oh, le temple! On l'a trouvé. Tombeau de Drumbach. Ok, très bien. On peut en mettre un là ou pas? Attends, on voit pas vraiment la corde. Ah, on va pas faire le temple maintenant, on va juste rentrer dedans. Voilà, très bien. C'est juste pour valider la mission en fait. Parce que j'ai pas envie de faire le temple maintenant. Sûrement que les ennemis vont être de très haut niveau. Donc je voudrais bien qu'on monte en fait. Je voudrais au moins qu'on soit tous 10. Ça serait déjà bien. Mais j'arrive pas. Je vais pas pouvoir remonter quoi. Ok là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a des loups blancs! Ah, c'est sympa ça. Oh waouh.
Ok, donc ça c'est des... Ça c'est des cannibales. What the... Today's our lucky day, lads. Our meal's come to us. What the fuck... Putain, 14 encore. Oh. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre 4 Yeti, là, et de les attacher, de les garder enchaînés? Parce que quand même, si c'est 40 l'un de portance, honnêtement, c'est un petit cheval, quoi. 18 les mecs, oh la vache. Ouais, vous êtes vénères, hein. Attends, on va mettre tous les animaux... Ah, va falloir pouvoir passer en plus. Hein. Alors, Duan, et toi là. Filak, toi tu vas nous faire... où est-ce que tu pourrais bien nous empoisonner la vie? Enfin, leur vie. Là, je dirais. Là peut-être. On va mettre Laura ici pour bloquer lui. Anne, elle va faire un carton, il faut bien la placer en fait. Genre comme ça par exemple, ça peut être pas mal. Ok. Chaud. Il y a toi. Là, on va faire un petit poison. Ah putain, je vais passer. Ok. Est-ce qu'on peut faire un trio là? Pas mal, pas mal. Ah, je vais devoir y aller avec l'ours d'abord. Oh, la fait chier. Il faudrait jouer poison avant, là. Avant qu'il bouge. Ok, bon, toi tu bougeras pas, c'est bien. Ouais, faut qu'on fasse du poison là.
J'en ai beaucoup de pompes, 23. Très bien. Ok, en théorie, ils sont morts. Ouais, en théorie, ils sont morts. Parfait. Ok, on a deux tours. Pas bien placé là. On va utiliser l'ours je crois pour les bloquer parce qu'après on a encore des tanks un peu. Je sais pas trop en fait. Ça aurait été bien que tu critiques l'autre, honnêtement. Je pense pas que ça soit utile. Non, non, non. Là, il y a Miguet. Ouais, ok, on fait ça. Très bien. Fureur. Est-ce qu'on a... Le tête ne peut pas mourir de dégâts provenant de... Oui, 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 c'est ok, c'est nickel. Voilà. Comme ça, tu vas rien pouvoir tirer. Et tu vas mourir. C'est un peu la galère, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, il nous fallait ralentissement là, honnêtement. Ah, j'aurais bien voulu avoir ralentissement là. Bon, ces deux-là, il faut qu'on se les fasse. Je sais pas trop comment, mais... Ah si, je sais. Oh, oh, oh. Voilà.
peut faire ça. Comme ça, il ira pas sur le rat, il tapera sur elle et puis il mourra après. Là, on a quoi? Deux tours. Tiens, on a la marque. Et elle, elle pourrait tirer. Bon, d'abord, il faut bloquer, hein, mais... Mais elle peut tirer. On va se mettre là. Coup de bouclier. Très joli. T'as toujours que 60 hein, de... Toi, il faut qu'on te tue. Toi, tu vas faire trop mal. J'irais bien envoyer elle, mais j'ai peur qu'elle arrive pas à le tuer parce qu'elle a beaucoup d'armure. 150 d'armure. On va la jouer sécurité. Tu vas mourir, c'est bon. Il y a toi à bloquer. Donc fais voir ça. Hop là, deux de bravo, hein, ok. C'est marrant. Faire ça. Il va sûrement venir là. On va tester un truc. De toute façon, après, elle a courir. Je peux la désengager, il n'y a pas de problème. Parce que là, il n'y a que des tanks, donc ça va. Ah, t'es allé quand même sur Ménette. Hein. T'as esquivé Diolan, c'est marrant. Diolan. Et est-ce que... S'il faut, ça marche pas, l'huile. Parce qu'on a... On a plus de 50, peut-être. Du coup, le jeu veut pas nous mettre à plus de 100, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Joli. Ah merde, il a engagé, ça a pas marché. Ouais, non, ça... Lui c'est AOE donc du coup ça va toucher les deux. Ouais mais c'est pas grave, elle va se prendre un revers de toute façon. C'est très bien.
Oh la vache. Elle est où la riposte? Putain. Vache. Ça a bien fait mal là. Bien fait mal. Ça va. Parce que là, je pense que si c'était mis là, entre les deux... Bon, il touche l'ours, on s'en fout, l'ours il est résistant. Mais je crois qu'il allait toucher Drakkard aussi. Donc je me suis dit, on va pas tenter le diable. Bon ben ça va. T'as encore eu qu'on est boosté hein, par toute la nourriture qu'on prend. Ah, t'es en train de prendre la place et tout est chiant. Toi il faut qu'on te tue. Pas vraiment des bons one shot là. Ah, la fièvre. La fièvre, ça a l'air de fonctionner sur le saignement, mais pas sur le poison, c'est ça? Ça, tu vas pas mourir, il te manque quasiment rien. Tu fais chier. Voilà, c'est bon. C'est bon. On l'a mis où, Laura? On l'a mis où? Laura, elle est là. T'es pas mort? Je sais pas pourquoi t'as pris 2 points de bravoure. Ah oui non, si c'est glorieux sûrement qu'a dû marcher. Parfait. Comment on se débrouille là? Ah, je sais. Comment on se débrouille? Ben on utilise les animaux. Oh la vache. Toi t'es qui? Toi c'est qui joue là? Ah, toi t'es chiant toi.
Joli. Ah, il a retapé par après. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Non, non, on va tuer tout le monde. Les cannibales, c'est pas trop mon kiff. Alors, bah, du coup, toi, t'as plus de vie, mais j'allais faire ça, en fait. Enfin, j'ai même pas besoin de me déplacer, il a habilité. Ouais, j'allais tirer comme ça les... Ouais, voilà, les deux tapes, en fait, les deux animaux tapes. Alors... Ouh, clé mort du criminel en 2 étoiles. Ouh, pas mal. Ça, on la garde, ça. Est-ce qu'il y a été blessé? Ouais, ce sanglier. Mercenaries, you're here. You must help me. Bandits fell upon my husband and... Ah. Aïe, aïe, aïe. You've killed them? What about my husband? Where is he? Bah, il fait sûrement partie de la soupe. Ah ouais. Non, non, non. Apaisée, Clovilda, réconfortée. Tiens, bois un peu. Thank you. I really needed that. I knew those barbarians weren't bandits. Thank you for putting an end to this horror. I can give you this as a token of my gratitude. I hope it's enough. My husband was a close cousin of Prince Erald. I trust the castle will send someone to retrieve his body. Tu... Ta voix est sympa, mais... Ah, tu joues pas vraiment... Tu joues pas vraiment ton rôle de femme à pleurer, quand même. Théric. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça sert à rien de mettre le truc pour soudoyer, c'est débile. Ouh! J'ai pas regardé ce que c'était, j'ai juste pris pour le moment. Ah! Ça, c'est bien, ça. Peloté de voyageurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? My husband was a... Comment t'as passé les loups, s'il te plaît? Donc on a une corde de tulle en plus. Ça peut être vraiment bien. Pour lui, ça fait des merveilles. Pour elle... Le truc, c'est qu'avec elle, j'aime bien... Je crois qu'on peut lui mettre des dégâts à la place. Je pense qu'on peut lui mettre des dégâts. Parce qu'elle combat vraiment quasiment pas. À chaque fois, on fait attention qu'elle soit pas... Qu'elle soit pas là à combattre. Donc on pourrait... Fais voir. De 67, on passe à combien? 74. Ouais, ouais. Ouais. Je regarde à qui on pourrait mettre la lanière de cuir. Parce que la lanière de cuir, je trouve que c'est très intéressant. 50. T'es à 50 maintenant? Pourquoi t'es à 50? T'étais à 50 avec ce bouclier là, en fait. Pas mal. Je pensais pas qu'elle était aussi élevée. Toi, c'est parce que tu fais un cri... Toi, il faut... Ça, c'est con, parce que, honnêtement, sa valeur de force de base, elle est pourrie. Je vais être honnête, le personnage, il est pas bon. Je sais pas comment je suis tombé sur une brute qui a pas de force comme ça, mais il a vraiment pas de force. Pour
pourtant, je suis quasiment certain d'avoir mis beaucoup dans la force. Il a énormément de constitution, c'est ouf. Je sais pas quoi mettre. Je le verrais bien à Ménette en fait, ça, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Mieux vaut avoir des dégâts critiques, honnêtement. Mais bon, par contre, ces huiles, elles servent à rien. Hein. Là, je veux pas dire, mais... Les huiles, elles servent à rien. Bon, on a ça, donc fais voir. Au niveau 11, c'est une hallebarde d'Alazar. Alors ça, délicieux et économique, velouté de voyageur. Gain d'influence après un combat, mené en embuscade, augmente de 20%. Gain d'expérience après un combat mené en embuscade. Augmenté de 20%. Pas mal. Ah. Ah, ça se fait avec des restes humains. D'accord. C'est... C'est intéressant. Du lait, on n'en a jamais sur nous. Ça, c'est bête. Des champignons, oui. Ça, y a pas de problème. Des champignons, ça va. Le lait, on n'en a jamais sur nous. Donc, en fait, il faudra en garder. Mais on pourrait en faire, en fait, à chaque fois que... Genre, on tue des groupes d'humains. On pourrait cuisiner ça. Ouais, il nous faut du lait, du coup. Il faudrait qu'on garde du lait tout le temps sur nous. Ça marche. Bon. On attaque ces loups-là ou pas? Moi, je sais pas trop. Je vais voir un peu. On a que 6 de bravoure. Bon, lui, je sais pas quoi en faire. C'est juste parce qu'il a beaucoup de transport, en fait, pour le moment. C'est juste pour ça que je le garde. Mais du coup, tu peux travailler, on est d'accord. Genre... C'est pas elle que je voulais. Oh, ce lag. On essaye de le rendre gentil, là. Voir un peu ce que ça fait. Alors, ça... On peut voir, hein. On peut tester. Hein. Cinquante en capacité d'évasion, pourquoi? Je crois que je les avais tous bien placés pour que ça soit à 30. Ah non, attends. Tu vas peut-être faire ça plutôt. Ok. Ouais, faut que je mette les prisonniers, faut que je les mette sur ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir, on va récupérer de la bravoure, parce que je veux tester, en fait. Je veux tester les loups, mais là, ils ont l'air grave vénères. Ils ont l'air d'être assez vénères, donc je voudrais d'abord qu'on se repose. Non, pas ça. Et
Pourquoi des ressources? Non. Dégâts contre les animaux. Et ça. Et ça, c'est gain d'expérience après un combat mené en embuscade. Ah, mais c'est en embuscade, c'est pas tout le temps. Ouais, sinon, ça serait un peu abusé quand même. Par contre, c'est méga. Oh, c'est méga lourd, c'est 5. Ah, ouais, mais non, en fait, on le fera jamais. Non, non, mais c'est trop court en fait. On peut l'utiliser maintenant, mais. Mais c'est 5 le poids. Non, mais jamais je me fais des choses comme ça en fait. Faudrait les utiliser directement. Chaque fois qu'on dort, on les utilise en fait. Ouais, c'est pas très intéressant au final. C'est pas très très intéressant. Alors, production de miel. Alors, toi on veut volonté. Ah oui, c'est vrai, niveau 10. Alors, l'unité a 40% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. Ouais. L'unité peut passer à travers toutes les unités. Ça, c'est vachement intéressant, ça. Inarrêtable. Ça, c'est comme ça, on fait ligne droite. Ça, ça peut être vachement utile. Alors après, permet d'équiper une deuxième arme d'ast et d'en changer pendant le combat. Je pense pas que ça soit utile pour nous. Comme j'ai dit, je crois que ceux qui pourraient vraiment bénéficier de ça, ça serait les archers. Mais je sais pas encore comment ça fonctionne exactement. Est-ce que genre on clique dessus et hop on change? Est-ce que ça met fin au tour et tout ça? Je sais pas comment ça fonctionne. Mais les seuls que je vois qui pourraient vraiment bénéficier de ça, ce sont les archers. Avec deux types d'arcs. Un arc pour tirer des flèches normales. Et un arc genre de boue par exemple pour stopper les gens, ou alors de feu pour brûler les gens. On va prendre ça. Inarrêtable. Bon, premier niveau 10. Très bien. Alors. Attendez. On peut faire ça. Comme ça, ça enlèvera les carcasses. Qui pourrait passer niveau 10? Bien nourri, ceinture. Ok, il travaille, très bien. Et après, je vais être honnête, le mec, on le balance. Après, il faut voir si on doit le payer ou pas. Si jamais il rejoint notre groupe, hein, voir un peu comment ça marche. C'est parti. On va avoir sûrement plusieurs groupes. Ça, c'est chiant, ça. Okay. 19. Meute sauvage. Chaque fois qu'une unité termine son tour blessée, elle gagne 2 de rage. Alors, fais voir. On a un loup polaire normal. Ralentissement pendant un tour. Il y a déviation. Ils ont l'air d'avoir un peu plus de vie que les normaux. Après, les attaques portées contre les cibles ralenties voient 50% de leurs dégâts répliqués directement à la santé. Pfff. Hacker des neiges. Ok, ok, pas mal. Fais voir les alphas. Les alphas polaires tout en noir, c'est classe. 8, oh la vache. Ralentissement, coup critique assuré si la cible est ralentie. 95 à 127. Dérobade. Bah là j'avoue que... Oui, oui, là oui, là ça vaut le coup là en fait. Ouais, 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 ouais. On va peut-être en capturer un ou deux, là. Il y a combien de groupes?
trois groupes. Ils font pas de saignement du coup, ils font juste du ralentissement. Bon, ça c'est bien, ça veut dire que les ours peuvent tanker sans problème. Donc ça c'est très très bon pour nous. Mais attends, il n'y a pas que ça. Ah oui, voilà, d'accord, ok. C'est ce que je pensais. On va éviter de les faire chier là-bas. Ouais, on va les laisser loin. Est-ce que je peux me mettre... est-ce qu'on peut tous se mettre au centre, m'étonnerait. Un peu leur déplacement. Ouais, ça va, il est pas énorme, ça va. En gros, si on se fait toucher deux fois d'affilée, c'est la merde. Parce que là, ils vont faire très mal. Ok, c'est parti. Ils ont combien de vie? 286, pardon. C'était de la merde, c'est cool. Après, ça consomme beaucoup, beaucoup de viande, hein, ces merdes. Donc, est-ce que c'est un... C'est une bonne chose. Le problème c'est ça, c'est est-ce que c'est intéressant de les avoir en fait? Parce que ça consomme grave de nourriture. Avoir des... Avoir des loups en même temps que des ours, pas vraiment une très bonne chose. Mais on va essayer d'en capturer. On va essayer de capturer un alpha. Je dis pas non. Consomme grave de nourriture, quoi. 8. Un alpha, c'est 2 normales, quoi. Et c'est quoi la différence avec l'alpha? Bon, apparemment, à part les stats démesurées, critique assurée si la cible est ralentie, déjà. Ça, c'est très puissant. Ouais, on pourrait en prendre. Non, ouais, on va en prendre un et on va essayer de le garder. Il y a tout le monde qui va jouer. Ralentissement. Ah,
Ah merde. Tellement petite la zone. Sans déconner. Ouais, ça va. Elle est top, hein, elle est devenue vraiment cool. Hein. J'aime bien comme je l'ai changée. Alors, faudrait... on va essayer d'en profiter. On va essayer d'empoisonner lui, en fait. Oh, le bruit qu'il fait, quoi. 102. Ça fait quoi? Ça fait 200 et quelques. Ok. J'aurais pu courir jusque là et tout et tirer sur les deux en fait. Ok, très bien. Je veux pas dire, on est en train de capturer des machins niveau 14. Hein. C'est pas de la merde, hein. C'est pas de la merde du tout, hein. Quand on y pense, c'est pour ça que j'en veux bien, hein. Au moins un. Parce qu'après, c'est très... Comme je disais tout le temps, les loups, c'est très très difficile à garder. Parce qu'ils bouffent trop, en fait. Ils bouffent nettement trop. Et si vous mixez ça avec des ours... C'est trop en fait. Genre vous prenez deux alphas, ça fait plus qu'un ours quoi. On essaye de capturer un loup polaire. Comme ça on voit les... Mais honnêtement je pense qu'ils ont les mêmes skills mais... Juste au cas où quoi. Ok, c'est les deux qui vont bouger là. On va se mettre de ce côté là. Encore heureux qu'ils n'ont pas en passif le fait de ralentir, parce que sinon ils feraient que du critique. Genre je peux même pas jouer en riposte en fait. Mais ça c'est un peu abusé. Les attaques portées contre les cibles ralenties voient 50% de leurs dégâts répliqués directement à la santé. Donc genre il fait 100 de dégâts, il y a 50 qui va passer directement à la santé si elle est ralentie. Ah, bah j'ai envie de dire... Pourquoi pas? Par contre, là, il n'y a pas grand monde. Oh, putain. Ah, il va nous faire chier, lui. Très bien.
C'est encore un combat qui va durer des plombes parce que leur morale descend pas, c'est un truc de ouf en fait. Bon, au final, le barrage il sert strictement à rien. J'ai hâte de trouver des ours polaires par contre dans le. Dans la forêt. Ça va être encore plus intéressant pour moi. Ça, je vais kiffer, hein, les ours polaires. On va peut-être prendre que ça. Bon, ça a l'air d'être plus du DPS que du tank, en fait. Quoique, au final, ils vont sûrement avoir énormément de vie aussi. Et plus ils se prennent des coups, et plus ils vont faire mal, quoi. C'est abusé. C'est un peu abusé, je trouve. Oh, par contre, les combattre, ça va être marrant, tiens. Tu vois, taper 150 fois un ours polaire, à chaque fois, il va prendre 2 drages. Le machin, il va taper à 3000. Donc ça, faudra faire gaffe. Ça, il faudra complètement faire gaffe. Mais bon, nous, on a du poison, donc on fera surtout poison. Mais ça peut facilement... Ils sont 5, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut facilement, je pense, si on fait pas attention, one-shot un mec. Parce que ceux qu'on a vus en arène, ils faisaient déjà super mal. Oh, il y a un piège, là. Il y a des pièges dans la neige, en plus. Piège à ours. Notre petit rat, il est content de patauger dans la neige. On n'a même pas testé notre lancier là, qui est censé passer à travers les gens. Faut qu'on regarde si ça marche. Regarde-moi ça. Comment la... En fait, ça c'est parce que ils sont très haut niveau, hein, je crois. C'est pour ça que notre volonté, ça fonctionne pas du tout. Hein. Très bien. J'aurais dû booster la... Oh non, ça va. On n'est pas très très proche. Ça va durer des plombes. Non, on va d'abord faire venir les gens, on va voir comment ils se mettent les loups. Parce que là, ils peuvent pas nous attraper. Hein. Faut que je vérifie pour être sûr, mais normalement, ils peuvent pas venir. Même le noir, là, il va plus pouvoir venir parce qu'on l'a ralenti et repoussé. Je vais voir. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc on peut les faire venir, on peut attendre qu'ils viennent. La zone est méga grande, on peut aller là et tout. Honnêtement, les lieux de combat, les terrains de combat sont super grands à chaque fois. Je trouve ça vraiment cool.
J'aime beaucoup mon équipe pour plusieurs choses. C'est que quand on combat des humains, on a beaucoup de gens avec de la bonne résistance, armure, tout ça. Ils peuvent très très bien tanker. Si jamais on combat des choses avec énormément de vie, comme des ours ou des animaux, quoi, la plupart du temps. Ou alors même, j'ai envie de dire, des gens, des gros tanks qui ont genre 400 de vie. On peut quand même tuer leur vie, en fait, en poison et saignement et tout ça. On en a quand même pas mal. Donc c'est vraiment bien. Ça me fait vraiment plaisir que l'équipe soit comme ça, super bonne, en fait, pour le moment, en tout cas, dans tous les cas de figure, on domine, on arrive à tenir, on gère bien. Alors, est-ce que on a fait venir quasiment tout le monde ? Alors. Très bien. Joli, 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 joli. Ah merde, attends, je bloque l'ours, je crois. Non, il peut faire le tour. Toi, tu vas où, toi? Toi, tu vas jusque là. Pas en attraper encore, hein. Bien. J'aurais dû me mettre à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes. Joli. Très bien. Bien joué l'équipe. Bien joué. Ouais, c'est simplement des loups, hein. Puis dégâts augmentés contre les animaux, là j'ai bien fait, hein, de prendre de la nourriture. Je me suis vraiment suréquipé, genre... j'ai pris vraiment... tout plein de différents types de nourriture avec dégâts contre les animaux, dégâts machin. On va voir, on est à 124. Alors, voyons voir. Donc, alpha polaire, carnivore et agile. Ça sert à rien, agile. Super résistant. Il a la moitié de la constitution. On va regarder un autre. Carnivore, laborieux, sommeil lourd. Et là, juste carnivore. Agile, c'est pas très intéressant. Laborieux et sommeil lourd. Ouais, ils ont toujours un peu moins de vie, hein, comme je disais à chaque fois. Au lieu de 400 et quelques, là, ils ont quoi? Dans les 370 tous? Ouais, 374. Lui, c'est parce qu'il est blessé. Ok, ça consomme 8. Comme j'ai dit, c'est très très lourd pour le nourriture. Et ils ont exactement les mêmes choses que les loups normaux. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Du coup, on peut avoir des trucs qui ont toutes les habilités. Si cette unité devait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. Hurlement à la lune, après avoir attaqué cette unité, applique apeuré, cette unité fait perdre 10% du moral en plus en mourant. Ça, c'est un peu, ça peut être vachement intéressant, en fait. Mais il faudrait avoir plusieurs loups, je pense.
faudra en avoir genre 4 ou 5, et à chaque fois vous touchez les gens et vous mettez apeuré sur quasiment tout le monde en fait. Et quand vous les tuez, vous gagnez avec, le moral. Et fait voir les normaux. Peut-être la constitution à moitié. Il y en a un qui est costaud, l'autre fort. Ils ont exactement pareil. ...124... Fais voir un peu... Nous on fait quoi? Nous on fait ça, par exemple. Ça... Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Non, on va pas pouvoir garder ça. Je reviens, je vais réfléchir. Je fais une petite pause. Je vais réfléchir. Et on voit ce qu'on garde. Et si vraiment on les garde. Si vraiment on les garde. Je reviens. Ok, on est de retour. Donc, on va tester. On va tester des loups. On va tester une famille de 3 loups. On est à 108 de consommation. Ça va. On va devoir commencer à peut-être utiliser... Est-ce que j'ai pensé à ça aussi? Parce qu'à chaque fois, je fais un seul repas. Je me suis dit peut-être qu'on devrait faire 2 repas. Parce que c'est 40 quand même, un repas. Donc, ouais. Parce que normalement, on fait plus ou moins ça. À chaque fois, on fait un repas et 3 plats. Bon, là, il va falloir mettre un peu plus à chaque fois, j'avoue. Mais bon... Je sais pas, on verra un peu comment ça se passe. Après, je vais être honnête, on a quand même beaucoup de nourriture. Hein, et j'ai sûrement encore, je sais pas, presque un an de nourriture. Ou peut-être pas, mais j'en ai beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de gros problèmes pour la nourriture. Il faut juste en transporter un peu plus à chaque fois. Et aussi, on a toujours lui, que je voudrais voir si on peut l'intégrer à l'équipe, le rampant des neiges là, et l'utiliser, et sinon on le jette. C'est pas vraiment important. En tout cas pour les alphas, donc j'ai opté pour donc la meute. Donc c'est pour ça qu'on en a 3. Donc ils disent s'il y a au moins 3 loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50. Donc on en a 3, pile 3. Donc en théorie j'ai pris ça. Donc j'ai pris ça sur les 3. Et donc en théorie, tout le monde devrait avoir 50%. Enfin les 3 loups devraient avoir plus de 50% de critique. Et déjà de base ils ont énormément. Parce qu'on a le chou farci, donc ils sont à 20, donc ils devraient faire des critiques très souvent. Après j'avais le choix, mais bon, le fait d'utiliser de la bravoure, ça m'emmerde un peu honnêtement. Donc je suis passé pour le régime carnivore, l'alpha il a chasseur né, pour récupérer un peu de gibier. Je crois pas que ça soit très très utile, mais on verra. On a vu que ça faisait des carcasses. Je veux voir s'il n'y a pas autre chose. Je sais pas si c'est pas un bug, parce qu'honnêtement ça devrait pas être des carcasses, ça devrait être des petits rongeurs quoi. Et après j'ai choisi ça, le hurlement à la lune, pour qu'on teste un peu tout ça. Ils sont tous à 20 de mouvement et 17 de volonté au moins. Et après j'ai mis en force et constitution. Donc les loups polaires, les normaux sont... les deux sont exactement pareils. Donc encore une fois 20, 17. Et après j'ai pris donc meute, régime carnivore. Par contre là j'ai pris loup de garde pour les deux loups blancs. Il n'y a que le noir qui a chasseur né. Et après, ils ont hurlement à la lune. Donc, ouais. On va voir un peu ce que ça nous donne. Parce que j'ai jamais testé, en fait, de loup. J'avoue. Donc, peut-être que ça va être vachement bien. Alors, capturer les pestiférés. On va voir un peu ce que ça nous donne. Village maudit. Ouais, non, c'est encore des villages. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Attends, est-ce qu'on a des trucs à vendre? Oui, potentiellement, oui. Reviens. Je préfère vendre à des marchands parce que ça fout le bordel dans l'inventaire des marchands en ville, j'ai remarqué. Donc ça, on va le garder parce que ça, c'est très haut niveau et 2 étoiles. Ça, on s'en fout. On a combien de... 106. Il va falloir en acheter un peu.
Celle-là aussi, on peut la virer. La biole. Tir vicieux, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Ok, c'est pas mal. Donc fais voir si on doit choisir notre groupe. Ouais, c'est le même système. Non, on va pas le faire maintenant. On va pas le faire maintenant. Parce que je veux qu'on soit plus haut niveau. Parce que si on combat des machins qui sont 14... Oh, on va mettre contre la peste. Traiter sur la peste. Si on combat des tous les choses ont genre son minimum... minimum 12. Les machins à l'intérieur, ils vont sûrement être 12, 14. Ils vont être minimum 12, ils vont sûrement être 14, j'imagine. Donc ça, je le fais plus tard, ça. Voilà, on sait déjà où il est, c'est déjà bien. Mais on le fait pas maintenant, il n'y a pas, il y a aucun moyen. Non, non, alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, voir là, non. Par contre, je suis en train de me demander, est-ce que les pestiférés là, de enneigés, est-ce que ça vaut, est-ce que c'est les mêmes? Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Oh, recommencer pour chaque bonus appliqué. Ouais, non, mais c'est pas très intéressant, ça. C'est pas celle-là que je recherche. Parce que tu... Eux, ils voulaient qu'on aille récupérer ça. Capturer 3 pestiférés au village maudit. Est-ce que... Ouais, ils disent au village maudit. J'imagine que ça veut... Que cela, ça fonctionne pas. Ouais. Je sais pas, on peut voir. On peut mettre un piton ici. On va mettre des pitons partout. Ah, quoique. Enfin, c'est pas grave. On va continuer à se balader. Donc, ouais, ils ont repris le système des villages maudits. J'imagine que c'est pareil celui-là. Ah non, le bourg de Hul. Oh, c'est un. Oh, cool. Cool, cool, cool. Parce que je me suis dit, la région est grande, ça. Je serais pas étonné qu'il y ait deux endroits. Might she be looking for work? Here is your reward. Très bien. Allô, le jeu. Alors... On va prendre ça, déjà, directement. Même si on le fait pas directement, c'est pas grave. Phare de la glace. Ouais, on va faire le phare. C'est pas très cher payé quand même. Oh mon dieu, c'est grand. Ok, nickel. No one can make me serve inquisitors. Not even the prince. Biscuit aux graines, fais voir un peu. Alors. Ça, je crois que c'était un truc buggé. Quand j'ai vu la mise à jour, là, il y avait écrit. Que apparemment ça donnait 1500% d'influence. Un truc comme ça. Alors. Prétendument facile à transporter, ils finissent souvent en miettes dans les poches des voyageurs. 1.7. Ça fait 14 de nourriture pour 1.7. Ouais, c'est normal quoi. C'est juste que ça prend une case quoi, mais ça change rien du tout.
Ça va, c'est pas trop... Gain d'influence augmenté de 15%. C'est pas vraiment utile, honnêtement. No one can make me serve inquisitors. Not even the prince. My pony froze to death last week. I'll leave with the next caravan traveling through the village. L'ours, on va pas l'acheter parce que c'est super lourd. I can heal any injury, but frostbite is my speciality. Qu'est-ce que c'est que ça? L'huile d'épuisement. Chaque fois qu'une compétence a mis de dégâts, 50% de chance d'appliquer Amorph. Pas mal. Ça, ça peut être bien pour Johan. Hein. Genre, s'il arrive à mettre Amorph à chaque fois qu'il tape, à chaque fois qu'on va se désengager, en fait, on va... Ouais, bon, vu que ça, ça marche pas... Après, c'est vrai qu'inébranlable... Enfin, inébranlable, ça sera utile quand ça sera utile, en fait. Inébranlable, c'est le truc qui est jamais utile pendant genre 90% du temps. Et puis le jour où on a quelqu'un qui pousse ou un truc qui pousse, on va être super content que... qu'on ne bouge pas. On va lui mettre Amorph sur Duan. Mince. Et ça, immunité... Unité à 50% de chance de ne pas être affecté par pour poison, brûlure ou saignement. Ah mais comment ça marche? Ah mais quand est-ce que ça... Genre si on doit subir poison, il y a une chance que ça marche pas, c'est ça j'imagine? I can heal any injury, but frostbite is my speciality. Alors ça on va tester. Très bien. Et aussi pourquoi je garde ça? Parce qu'on pourrait, honnêtement on pourrait se dire qu'à la limite c'est mieux c'est prendre ça pour les dégâts d'opportunité. On peut le monter à 50% en plus, j'avoue. Mais vu qu'on fait du poison, on fait pas mal de poison et tout ça, genre avec Philact, il peut mettre un nuage. Il faut quand même avoir des tanks qui puissent patauger dans le poison sans problème. Honnêtement, en fait, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que je le garde comme ça. C'est pas mal. Pas mal ce qu'on a récupéré. I'm warning you. If you're with the Inquisition, I won't even repair your boots. On n'est pas avec l'Inquisition. Enfin, en tout cas, je crois pas. Pour le moment. Alors... J'aurais dû vendre les babioles au... autre part, c'est pas grave. C'est bien de l'agglomérat gris hein, qu'on a récupéré, qui était par terre. Parce que j'ai vu cette icône un moment, je me suis dit, mais normalement c'est du métal. Mais en fait, non, non, c'était du de la l'agglomérat gris. Traité sur la peste. Ok, super cool d'avoir ça. Oh, bonjour. We cannot let the Eye's Reckoning get in the way of our fight against the plague. Je voudrais bien avoir leur équipement. What the fuck? Mon dieu, mais ils avaient raison. Ça a détruit la maison.
À défaut d'une église préconisée, cette-elle sert à cérémonie aux prières locaux. Oh merde, ils avaient raison. On peut mettre des cordes ou pas? M'étonnerait. Ouais, qu'on paye notre amende. Ouah la vache! Donc il y a vraiment. Refuge du mourir. Il y a vraiment une sorte de nuage qui passe et qui foudroie tout sur son passage. Alors là, je pensais vraiment pas voir ça. Putain, mais on peut recruter plein de gens ici, c'est ouf. Ah, mais c'est pas des gens à recruter, ça. Cette fois-ci, par contre. I won quite a few fights in the tavern. You can count. I will not go further south. I'd sooner face the God of Light's judgment than that of the mountain. I went on a mission on Mount Ernst before. I lost 3 toes and 2 companions. Wow. Sympa. This shelter is the last stop before Mount Ernst. And the mountain range that separates us from Edoran. Be careful if that's where you're headed. Travelers often lose their way around here. Ouh, ça fait un peu peur là. L'épopée du petit chanceux. C'est quoi ça? Depuis quand on a ça? Ah putain, c'est fort! Oh la vache! C'est quoi ça? Pourquoi on a eu ça? Tant mieux. D'accord. Faut que je regarde dans mon camp. C'était quoi ça? Attends, remporter un combat contre 8 unités ou plus avec une équipe sans aucun équipement. D'épopée du petit chanceux. Ah, c'est pas gagné avec des gens qui sont blessés. En fait, je crois, mais normalement, c'est pas genre tout le monde doit être blessé. Alors peut-être le texte est pas bon. Bon, bah tant mieux. Hein. Je sais pas à quel moment. Je sais qu'à un moment, on a été blessé en fait. Je sais pas que, si c'est. Ouais, bref. Tant mieux, on va pas se plaindre. Je me rappelle d'un moment où on s'est pris une baffe tellement grosse que quelqu'un était mourant. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a débloqué la musique. Alors le bourg, le château, le camp de tracker. Ah, il y a un camp de tracker quand même ici. Ah! Le château de Drombach. Ouais, on va leur parler. Il est joli le château. Pourquoi ils font des châteaux autour du... Genre c'est débile de faire des châteaux. C'est incroyable de faire ça. The closer you are to the prince, the more suspicious the Inquisition gets. You have no idea how many patrols come to check on me each day. Okay. Donc du coup ils vont faire pareil sur nous. Château du prince. Pourquoi il y a une personne? Oh, c'est Coren. Lol. We're on high alert. The Inquisition is becoming increasingly resolute. Ah, ils vont sûrement être sympas avec nous ici parce que.
I feel like I can't take a single step without being questioned by an inquisitor. Parce que on les avait aidés à... Putain, à chaque fois je me rappelle plus des noms. Ici? Non. C'était à Vertruse qu'on avait fait ça? Genre kidnapper la femme et tout ça. Je crois que c'était à Vertruse. Je crois que ouais. Well, well. Look who's here. I had a feeling the woes befalling our region would attract your ilk. If I could afford to, I'd send you back where you came from. But it so happens that I need people like you. Discreet and daring. Hey, gros, gros. Tu vois, la personne qui est à côté de toi, c'est grâce à nous que tu l'as. Donc tu vas baisser d'un ton. The most brilliant minds of this county are headed toward the tomb of the ancients. I want you to join them there and protect them from the creatures roaming the ruins. Le tombeau des anciens, on l'a trouvé le tombeau des anciens, on sait où c'est. D'accord. One more thing, mercenaries. Ah. Oui, si, c'est ça. If I'm entrusting you with this mission, it's not because I like hiring sellswords. I expect you to be more discreet than my soldiers. Under no circumstance should you draw the Inquisition's attention. Ok. Salut, tu te rappelles well, de nous? I'll be. You have some nerve to show your face here after what you did. Do not talk to me again. Or I will have my new husband quarter you on the spot. Do you have a death wish? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Mon nouveau mari. Brigadier. Soutien du chef. Aïe 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 aïe. Bon bah du coup c'est bien qu'on l'ait pas fait maintenant. Donc il y a encore des bonhommes de neige. Là c'est le temple. C'est quoi ça? Porte du Mont Céleste. Turn back, mercenaries. For your own safety, this mine is about to collapse. D'accord. T'es sûr? Turn back, mercenaries. Okay. Peut-être qu'on pourra. Peut-être que la mine et le tombeau sont connectés, s'ils sont juste côte à côte comme ça. Bon, on défonce les mecs et on s'arrête. Niveau 11, ouais ça. Porte P. On va faire E. Et on va s'arrêter, je crois. Parce que... Ouais, on va faire E et on s'arrête. Je vais voir un peu. Critique 25%. Pourquoi ils ont que 25%? Ils devraient pas avoir 50 et quelques. Si au moins 3 loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50%. Me dis pas que... Faut que ça soit les mêmes loups. Parce que ça serait bien débile, ça, par contre. Par contre, je vois pas où sont les gens, ça me stresse. Bon, ok, là, il y en a 6. Je
Pas trop fan de ce qu'on a là en fait. Putain, mais casse-toi toi. C'est qui joue en premier, c'est toi? Excès de confiance. Cette unité encore de la garde attaque à nouveau une fois. Okay. On va devoir mettre Laura ici, du coup, je pense, parce que sinon ça va être la merde. Fais voir. Ok. Parti. Je suis un peu déçu là des. Donc on s'est fait arnaquer, c'est ça? Ça me fait chier. Le coup des loups, là, si c'est vraiment une arnaque comme ça, qu'il faut avoir exactement les mêmes. Ah, du coup, on peut virer le loup alpha et on garde que. Et on prend un autre loup polaire. On va tester. Joli. Bon dégât, bon dégât. Merde, c'est qui ça? Pas où elle est la vipère, peut être là. Elle peut être trop aussi, bah je crois que là. Ah oui, aussi ici. On va dire qu'elle est là. On va tenter. Si, c'est elle, c'est bon. C'est moi ou ça marche pas vraiment, en fait? Certaines habilités. Genre, enragé. Genre, ça a pas l'air fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de debuff qui s'inscrit. Je sais pas. C'est un peu étrange. Putain, je vais pas toucher les deux là. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent pas en fait. Tada. Ça va, on est en avance. Joli. On va attaquer les archers parce qu'ils vont faire chier. Très bien. Je crois que le jeu tourne depuis un peu trop longtemps du coup. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de musique qui joue. C'est bien en fait de combattre des ennemis au niveau. Hein, parce que maintenant le poison et le saignement ça devient très très intéressant. Je veux pas dire mais... Ça c'est intéressant. Donc fais voir un peu. Ah non, t'as dégâts.
Trois loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50%. Apeuré. Bon, apeuré, ça fonctionne en tout cas. Apeuré fonctionne. Je regardais le moral. Eh, le moral a fait un bonbon. Donc je pense que ça marche bien. Oh, vulnérabilité. T'as pas eu de chance, toi. T'as vraiment pas eu de chance. Elle est cool, cette dague. Hein. Je veux pas dire, mais... Si on peut tout le temps taper deux fois, elle est magnifique, cette dague. Hein. C'est pour ça que sur les adorateurs, je crois que c'est la meilleure dague. Et je vais être triste parce qu'il va falloir que je la farm, celle-là. Je peux pas la monter de niveau. Mais c'est la meilleure. Hein. C'est la meilleure sur... sur l'aura de fanatique. Non, c'est... Ça. Ferveur exaltante. C'est top. Hein. Merde, je vois pas qui... Sûrement là-dedans. Je vais voir un peu les dégâts. Joli. Oi, oi, oi. Attends, on va se mettre là, comme ça si jamais on veut la couper, la faire bouger. Très bien. Ah oui, je voudrais bien tester Duan. Avec l'atrophile. Je vais voir un peu si ça fonctionne. De stabilisation, ouais, ok, on l'a pas mis. Faudrait qu'on puisse le mettre en fait, l'atrophie, et voir un peu si ça fonctionne aussi bien que ce qu'on pense. Ah, mais là il faut taper en fait pour déclencher l'atrophie. Ouais. T'en fous un peu de les combattre. Ils ont pas vraiment de l'équipement qu'on voudrait. Intermédiaire, lourd. Bon, on s'est fait enfiler sur les loups hein, pour le moment. Je vais juste tester voir ça. Ah oui, mais non, on a ça, ouais. Moins 270. Ah, je suis dégoûté pour les loups, là. Merde. Bizarre ce que ça marche pas. Oula! Ah, mais il nous attaque, c'est con en plus. Ouh, c'est pas bon signe ça. Il nous attaque, je savais pas qu'il nous attaquait.
bien, on va passer un bon moment, nous. On va passer un bon moment. Il y a l'archer là qui est embêtant. C'est pas top. Oh, joli. Oh, c'était pas mal, ça. Très gros dégâts. J'aurais dû l'envoyer sur le... sur l'archer, je suis con. Embêtant, c'est qu'ils ont rivalité là qui se déclenche en fait quand on les attaque, du coup c'est de leur baisser la résistance, ben, ça aide pas vraiment en fait. Ok, on va les yes, nickel. Ils sont très bien placés pour ça. Sept, 19. Voilà. On a fait 4 morts. Ils sont tous morts là. Alors là maintenant. Eh, 2 empoisonneurs, ça peut devenir intéressant. Je veux pas dire, mais... ça, on va dire que ça peut être quelque chose. Genre même là, par exemple, là, les 4, là, ils sont assez proches les uns des autres pour tous se faire empoisonner. Alors là, les 3. Est-ce qu'on a de l'AOE? On a de l'AOE. On a de la bonne AOE en plus. Je crois qu'il faudrait d'abord. Attends. Par contre, je crois que. Oui, elle fait saignement. Et là, si les cibles saignent, ça fait plus de poison. Ouais, il faudrait que je fasse d'abord punition de Dagan en fait. Quand je l'utilise. Pas l'inverse, que j'ai tendance à faire l'inverse. Et vu qu'on tape 3 fois, elle va quasiment certain de mettre du saignement en fait. Et là du coup, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de... Putain, elle va toucher les deux là. Mais... c'est chaud.
Voilà. Pas mal. Alors si je me mets à côté... Oh la vache. Passif. Non, je sais pas, il y a toujours le déplacement. Je sais pas, ça a pas l'air de très très bien fonctionner le truc. Ou alors c'est quand il engage. Genre dans le sens où s'il engage, il peut pas se désengager de l'ours, peut-être. C'est peut-être ça en fait, leur système. Encore un gars avec pas de chance, vulnérable. Fais amorphe. Yes, amorphe. Ok. Toi, t'es devenu du coup super utile, en fait. Enfin, encore plus puissant. Hop, zéro. Nickel. Je me demande que s'il riposte, est-ce qu'il peut remettre amorphe? Ça, c'est une bonne question, ça aussi. Ouais, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'en riposte, parce que c'est du passif. Donc, est-ce que amorphe fonctionne? Je l'ai fait venir là parce que comme ça il est pas en danger. Ouais. Mig. Attends, toi t'as quoi? Toi tu touches. Toi tu touches aussi. Ouais, faudrait bouger tout le monde en fait. Joli. En plus, c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de ralentissements dans l'équipe. Attends, toi, tu vas... À la limite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ah, d'accord. Okay. Bon, bah... Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est pas trop prévu comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas de problème. De toute façon, vous êtes mort, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ces deux-là. Faut que je fasse gaffe quand le combat sera fini, là. Parce qu'on est en train de se faire courser par les salauds. Non, 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 vous allez tous mourir. Ok, faut juste qu'on passe les tours et c'est bon. Toi, tu vas peut-être tirer sur Mig, c'est pour ça que je l'ai mis là derrière. Voilà. Ok, faut faire gaffe. On est prêt, Cassos. Je sais pas ce qu'ils me veulent, mais
Vu le nombre qu'il y a... Oh mon dieu, il y en a là aussi. En jaune, ils doivent être niveau 14 du coup, je crois. Ah putain. Ah, ça tombe bien la tempête. On va devoir se reposer ici parce que je suis tellement fatigué. Le temps que j'arrive... Genre, le pont, il est où? Il est là, je crois. Le temps que j'arrive au pont, ça va être la merde. Parce qu'il y a les... Il y a les Yétis, là. Et après, là, il y a les Inquisiteurs. Donc, non, on va pas tenter. On va se reposer maintenant. On va se reposer maintenant. Ok. On va utiliser ça aussi. Même si ça sert pas à grand chose. Alors, verser. On va mettre encore un plat en plus. Qu'est-ce qu'on met? On met la vitesse. Vitesse critique, dégâts critiques, plus de bravoure. Et là, c'est surtout de la dex. Ouh. Quoi ce tonnerre? Ok. Il gagne beaucoup d'expérience ici. Hein, 200 et quelques à chaque fois. Ouais, ça, on en fait 10 à chaque fois. C'est bien. Ça fait, ça paye un loup, en fait, un alpha. Même plus. Rat et carcasse. Ah! On peut avoir les deux, je pense. Ok. Ça, c'est bien, ça. Les autres, on est très inquiets de voir nos têtes mises à prix. Oh là là, ça fait chier. Bon, on va faire ça. Comme ça, on ira plus vite. Alors, toi, si t'es passé niveau 10, très bien. Ta volonté 16, c'est très bien. On va te mettre force. À travers les unités, nickel. T'es content, abominable homme des neiges? Satisfait. Ça va être marrant quand tu vas nous rejoindre. Tu vas voir, ça va être bizarre. Ouais, il gagne plus d'expérience. Une fois qu'on est niveau 12, on peut pas aller au-dessus de 12, hein, on est d'accord. Non, 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 12 c'est le max, ça doit être le maximum le 12. Oui, oui, c'est le maximum le 12. Ouais, ouais. Ouais, donc là on a des animaux qui dépassent le niveau maximum en théorie. Donc ça c'est pas mal quand même. Ah mais attendez, il y a les deux, c'est parce que j'ai mis un piège. Non en fait, donc du coup ils ramènent des carcasses en fait. Bon, bah on va s'arrêter là. C'était un bon épisode, on a un peu avancé dans le monde qui fait peur. On a débloqué pas mal de choses. Oh, putain. S'il y a un rat là, ça veut dire qu'il y a encore toute cette zone à visiter. Il y a 34. Il y a 34 lieux. C'est... Bah, c'est le plus grand, je crois. C'est le plus grand. Pourquoi il y a... Pourquoi on est à 29 maintenant? 29 sur 30. Ah non, non, mais c'est 29 sur 30 complété. 30, 30. C'est le plus grand. 32. Ouais, 32. Après là, c'est 19. 34. Ah bah on n'a pas fini ici. Hein. On n'a pas fini. Hein. Bon, bah je suis content pour nos animaux. Ça va, ça se passe bien. Il me faut un peu plus de nourriture. Par contre, moi, je sais pas si je vais peut-être... Je dis bien peut-être rentrer. Genre illico presto. Rentrer à Nouvelle-Astel pour aller récupérer de la nourriture. Après, je vais être honnête, je suis pas obligé de le faire parce qu'on en a encore.
De voir, on a encore pas mal de choses. Donc on peut tenir, il n'y a pas trop de problèmes. À la limite, je vais aller me renseigner pour les loups, en fait. S'il en faut, il faut vraiment trois fois le même ou pas. S'il faut trois fois le même, ben, ce qu'on fera, c'est qu'on va virer l'alpha, parce que honnêtement, 3 x 8, non merci, ça ira. Hein. C'est, faut pas exagérer non plus. On va pas prendre 3 alphas. Surtout que l'alpha, en fait, il fait... Genre coup critique assuré si la cible ralentit. C'est juste ça la différence. C'est juste ça. Après, c'est toutes les mêmes, les mêmes habilités. Bon, évidemment, les stats, c'est pas les mêmes. Parce que là, il fait quoi? 60, 80. Lui, il fait 100. Ouais, 82, 110. Et ils ont un peu plus de vie. Bon, ils sont un peu plus vénères, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ouais. Parce qu'au final, en fait, c'est débile parce que si jamais ça fonctionne, on a 5, plus 50%, on a toujours 20, on est toujours dans les 20 plus en fait avec eux, parce qu'on mange toujours des choux farcis par exemple. Donc on est quasiment à 100%, on est tout le temps dans les 70%+, donc ils vont quasiment tout le temps faire des critiques. Donc c'est vrai que j'avoue que ça, au final, ça sert pas à grand chose. Donc, faudra aller récupérer des nouveaux loups. Je sais plus où on a trouvé les loups. Putain, il faudrait pour qu'on puisse mettre des marqueurs sur cette map. Je crois que c'est là. Non, c'était à côté du temple. C'était là-dedans, je crois. Oui, avec la grotte des cannibales. C'était là qu'on a trouvé les loups. Donc, on ira peut-être récupérer un loup polaire normal. Et on vire l'alpha. Ça nous fera déjà un peu moins cher. Ce sera 4 au lieu du 8. Ouais, c'est ça. Ça nous fera 4 et ils auront le bonus. Donc ça, c'est cool. Ouais, on fera ça. En tout cas, on s'arrêtait là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était cool. Honnêtement, je suis content de cette zone parce que on l'a fait en dernier, du coup, ce qui est normal. Et on a une très bonne équipe, en fait, qui est très, très puissante. Encore une fois, avec le coup d'avoir pris, je le répète souvent, mais d'avoir pris, genre, malfaiteur et tout ça, les dégâts critiques qui sont extrêmement élevés, genre plus 30% et tout. Lui qui fait super mal, les deux en fait qui font super mal, et le pire c'est qu'ils sont tous en marmiton, je veux pas dire, mais il y a énormément de gens en fait en marmiton, du coup ça les rend très résistants, ce qui est bien, et ça permet de consommer moins de nourriture et tout, enfin voilà, tout fonctionne très bien, je suis très content de ça, et les gens n'ont pas besoin d'être super optimisés avec tous les jobs bien précis, genre augmenter la force, augmenter machin. Elle, on lui a mis ça, sinon je la mettrais marmiton aussi, hein, mais on lui a remis forgeron pour baisser sa vie, comme ça fonctionne. Genre, strictement, plus de santé, ça fait triple dégâts. Toi, j'espère que tu vas finir un jour. Donc ouais, je suis très content de notre équipe et de ce lieu-là, il est vraiment fun, vraiment fun. Bientôt, on aura les cochons, on va en tuer un au moins, comme ça on aura de la nourriture. Ah oui, avant qu'on se quitte, on va changer le niveau 10. Qui c'est qui pourrait... Toi, t'es quoi? T'es marmiton aussi? Toi, t'es niveau 11 déjà. Ouais, je l'ai mis marmiton et je l'ai mis là, comme ça, elle n'a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. On peut te mettre toi. On peut mettre Tarus. Toi, tu gagnes quoi au niveau 10? Alors, changement de dague. C'est pas utile, je pense, pour un assassin. Après, alors, quand l'unité se fait engager, 50% de chance de ne pas se faire engager et d'effectuer une attaque d'opportunité vers l'attaquant. Pas vraiment intéressant. Honnêtement, ça serait super intéressant pour nos... comment ça s'appelle à chaque fois? Putain. Nos affranchis. Ça serait intéressant. Parce qu'ils n'ont pas, autre chose. Et là, l'unité peut passer à travers toutes les unités. Ouais, on prendra ça. On prendra ça, du coup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.